Mon nom, c'est Marielle Housset. Je suis chercheure postdoctorale dans le groupe du professeur Cédric Blampin à l'Université libre de Bruxelles. Mon combat quotidien contre le cancer réside dans mon travail, puisqu'en fait, je fais donc un travail de laboratoire. Et donc au quotidien, donc, nous essayons de comprendre les mécanismes moléculaires mis en place dans le développement des cancers. Et dans le groupe, nous nous intéressons plus particulièrement au rôle des cellules souches. Que les cellules souches pourraient avoir dans le développement et l'initiation et le développement des cancers. Au niveau recherche, on va dire au niveau placement mondial, donc c'est une recherche quand même de pointe, même s'il y a d'autres secteurs à côté qui cherchent sur d'autres aspects de ces cancers. Ensemble, finalement, tous ces aspects contribuent à la lutte contre le cancer. Je me suis passionnée pour ça, parce que la recherche, c'est passionnant. Il faut être passionné pour se lancer là-dedans. Le cancer, ce sont des mécanismes très complexes et donc c'est ça qui m'a attirée au cours de mes études. La recherche fondamentale, en fait, c'est un travail de laboratoire, donc qui nécessite de l'argent pour fonctionner au quotidien, car ce que nous faisons coûte de l'argent, nous avons besoin de produits, de matériel, etc. Cet argent est nécessaire pour ça, mais il est également nécessaire pour payer les salaires des chercheurs, payer les salaires des étudiants. Donc oui, c'est très important, c'est primordial de donner pour la recherche.